Bienvenue en 2023, l'année du millet. Si, si, demandez à l'ONU. Und das europäische Jahr der Aus- und Weiterbildung. Mais 2023, c'est aussi le 60e anniversaire de l'OFAGE. Am 22. Januar 1963, etwas weniger als 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, haben Deutschland und Frankreich einen historischen Vertrag miteinander geschlossen. Aus Feinden wurden Freunde. Et c'est ainsi que six mois plus tard, le 5 juillet 1963, naissait l'Office franco-allemand pour la jeunesse. 60 Jahre, das sind 21.915 mal guten Tag oder bonjour. Mais ce sont aussi 9,5 millions de jeunes qui ont vécu une expérience interculturelle. 9,5 millions de junge Menschen. Das sind so viele Menschen wie Berlin und Paris zusammen Einwohner haben. Und Marseille. Hambourg. Lyon. Rostock. Strasbourg. Dresden. Bordeaux. Und natürlich Saarbrücken. Que ce soit depuis 60 ans ou pour les prochaines 60 années, notre engagement reste intact. Wir wollen, dass jeder junge Mensch in Deutschland und Frankreich Erfahrungen mit Austausch macht. Damit mit Verständigung und Frieden in Europa. Dans cette aventure, ce sont plus de 8000 partenaires qui s'engagent à nos côtés, avec des milliers de projets par an. Et vous, que diriez-vous de passer les 6 prochains mois à célébrer avec nous l'amitié franco-allemande? Un concert philharmonique avec des jeunes de France et d'Allemagne. Eine Kinderkonferenz mit Teilnehmenden zwischen 8 und 12 Jahren. Une marche pour le climat. Ein deutsch-französischer Jugendkongress mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Mais aussi une étude réalisée par l'Institut de sondage Kantar portant sur le regard de la jeunesse franco-allemande sur le monde d'aujourd'hui et leur avenir. Et ça, sans compter les très nombreux projets de nos partenaires. Vous n'avez pas tout noté? Retrouvez tous les événements sur notre site internet. Aux jeunes qui font vivre nos programmes, à vous qui vous engagez pour les jeunesses françaises et allemandes et européennes. Nous souhaitons une très bonne année 2023. Frohes neues Jahr!